Bien le bonjour les Anxios, et on se retrouve sur Red Dead Redemption 2. Et je suis toujours en train de pêcher tranquillement, j'ai pas mal avancé. C'est des choses que je fais en off, hein, parce que ça vous évite, c'est assez long et redondant à la pêche, hein. C'est tout le temps la même chose. Donc j'ai pêché le masquinongé légendaire, j'ai pêché ici l'esturgeon jaune légendaire, j'avais déjà pêché dans les marécages le lépissauté légendaire à la grâce. Et je suis allé pêcher également le crapet légendaire près de Root, le plus simple probablement. Je pense que celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'était le lépissauté dans les marécages. Mais c'est parce que j'avais pas acquis la bonne technique de pêche. Et là, parce qu'en fait, il faut savoir que pêcher les poissons légendaires, c'est pas du tout comme pêcher les poissons normaux. Hein. Déjà, c'est pas les mêmes appâts. Pour le coup, ce sont des leurres spéciaux que vous êtes obligé d'aller acheter à la grâce. Mais c'est pas ça la différence. La vraie différence, c'est dans la technique. Et je l'ai appris à mes dépens. Parce que bah, j'en ai chié comme un voleur. Mais maintenant, je pense avoir trouvé le truc. Donc on va essayer ici. Alors ici, on est à un lac, logiquement. Donc, on va passer sur le leurre de lac. Et je devrais avoir ici un poisson légendaire. Alors je sais pas duquel il s'agit, on va voir ça ensemble. Et on va voir ce que ça dit. Allez, on l'attire à nous, en espérant qu'il mette pas 30 plombes à mordre. Parce qu'il y a des poissons carnassiers qui mordent. Bon bah ça va, c'est allé assez vite. Allez, c'est parti. Donc là il faut aller juste dans le sens opposé de là où il tire, et par moment bloqué avec R. Voilà, sans trop abuser. Et là on pompe, on fait ce qu'on appelle de la pompe. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, donc là, lorsqu'il tire, on va dans le sens opposé. Et par moment, on bloque avec la gâchette droite. La gâchette droite qui nous permet de rembobiner la ligne, et ben en fait, elle peut également permettre, lorsqu'on la maintient dans une direction, vous allez voir, en bas à droite, regardez, hop, là je la maintiens dans une direction et je relâche. Lorsque vous maintenez la ligne dans une direction, donc le joystick R, au moment où le poisson se débat, ça l'empêche de trop tirer sur la ligne et d'annuler finalement ce que vous avez fait jusque-lors. Attention à ne pas abuser, c'est-à-dire qu'il faut le faire par à-coup, il faut bloquer la ligne par à-coup, parce que si vous bourrinez et si vous maintenez appuyé pendant tout le temps que le poisson se débat, il va finir par casser la ligne. Vous voyez, hop, là je le fais, j'arrête. Là je le refais, j'arrête. Il faut le faire par à coup. Et lorsqu'il a fini de se débattre, non seulement vous rembobinez, mais en plus avec le joystick de gauche, vous appuyez plusieurs fois vers le bas. Et vous voyez, Arthur, il fait un mouvement de... En fait, il ramène la canne vers lui. Donc en fait, il tire sur le poisson. Et c'est vraiment ce mouvement-là qui est le plus efficace, en fait. Donc là, je bloque la ligne. Attention. Vraiment par à coup, hein. Faut vraiment y aller mollo parce que ça casse très très vite. Et là, vous voyez, hop, je pompe. J'ai vu ce terme sur un forum, donc je me suis dit que ça devait être le bon. C'est-à-dire, je ramène la canne, je tire la canne vers le haut avec le joystick bas. Par à coup, tout en rembobinant. Alors, je rembobine pas avec le pouce parce que c'est la merde. C'est très très dur. Donc je rembobine avec la paume de la main en fait. Voilà. C'est beaucoup plus simple, ça me permet de faire des belles rotations. Et vous voyez, le simple fait de tirer la canne comme ça vers soi, ça le ramène beaucoup plus rapidement le poisson, c'est beaucoup plus efficace. Et j'avais pas encore cette technique, j'avais pas encore acquis cette technique sur les premiers poissons légendaires que j'ai pêchés, donc j'en ai chié comme un voleur. Là, on bloque un petit peu, là il tire plus rien, on est bon. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment un légendaire, ça? Ce qui me paraît petit. Ouais, c'est ça, c'est la perche légendaire que je garde. Je garde les légendaires parce qu'il faut les envoyer par la poste. Donc, vous voyez, c'est en final, c'est très très simple. Hein. Quand t'as compris le truc... Après, celui-ci était pas très gros. C'est vrai qu'il y a des poissons beaucoup plus balèzes qui tirent beaucoup plus sur le hameçon.
Mais là, pour le coup, celui-ci n'a pas opposé vraiment de réelle résistance, quoi. Ah, désolé. Ah, j'ai le rhume des foins, hein, comme tous les ans à ce moment de l'année. C'est une catastrophe. Faut que je recharge aussi mon dead eye. Donc voilà, et du coup la pêche est beaucoup plus efficace maintenant que je maîtrise cette technique. Je vais aller pêcher ici. Donc là c'est l'épisode pêche. En attendant, j'ai peut-être, vu que je suis à côté, je vais peut-être en profiter pour faire un crochet. Il y a une mission à faire. Il y avait une mission, bon bah elle a disparu le petit. Est-ce que c'est parce que je suis traqué? Non. Il y avait une mission à faire ici. C'est peut-être une mission nocturne. Je pense que c'est une mission nocturne pour le coup. Écoutez, très bien. Elle a disparu, donc c'est pas grave, on va perdre de temps davantage. Et on va rusher jusqu'au prochain lieu de pêche. Voilà, donc là c'est des épisodes pas très RP pour le coup. Parce que je rush d'un coin de pêche à un autre. D'un lac à une rivière, d'une rivière à un étang. Un étang à un marais. Donc là c'est pas très RP, mais vous inquiétez pas, je reprendrai très prochainement le let's play tel qu'il était, c'est à dire le plus RP possible. Je reprendrai l'émission du scénario. En tout cas c'est un plaisir. Faut savoir que avant l'épisode précédent, l'épisode de pêche, j'avais laissé tomber le jeu pendant plusieurs mois, peut-être 6-7 mois, quelque chose comme ça. Donc là ça fait du bien de revenir dessus. Plaisir véritable de retourner à chaque fois sur Red Dead, quoi. Surtout que j'étais sur Elden Ring. Vous savez ce que j'en pense d'Elden Ring si vous avez regardé le dernier épisode. Voilà, c'est un peu de la merde. Est-ce que j'ai déjà visité cette petite baraque là? Ça ne me dit rien. Après, je sais pas si on peut rentrer dedans. Que si, j'ai l'impression qu'on peut rentrer dedans, mais je me souviens pas l'avoir visité celle-là. Ça ne me dit absolument rien, les petits gars. Donc on va regarder s'il n'y a pas un truc à récup. Après, oui, c'est normal quelque part que ça ne me dise rien parce que, bon, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai abandonné le jeu pendant plusieurs mois. De ce fait. Je sais plus trop où j'en suis en fait. Apparemment tout est vide, hein, donc je pense que je suis déjà venu. J'ai pas mal avancé dans mon dernier défi de survie qui me demande de pêcher un poisson de chaque espèce. J'ai à mon actif le brochet, le crapet harlequin, le crapet de roche, le brochet maillé, la perche noire, la barbe jaune, l'achigan, le lépissauté osseux, l'esturgeon jaune et le masquinongé. Et logiquement, je devrais pouvoir terminer ce défi avec Arthur avant l'épilogue, puisque... du rhum, je prends. Dans New Austin, il y a un poisson légendaire que je ne pourrais pas pêcher avec Arthur, mais il y a également dans New Austin, il y a un poisson légendaire. Je ne pourrai donc pas pêcher avant l'épilogue. Mais il n'y a pas de poisson de base que tu ne trouves pas dans la map, enfin ailleurs dans la map. Ok, il y a une saloperie. Il y a une saloperie. Il y a un cougar ou un truc. Donc je vais... prendre ça. Faire très attention. Il est là. Putain, les mouches pâles qui à chaque fois me fait le coup.
pas que... Non, je l'aurais jamais en 3 étoiles. Le cougar en 3 étoiles, c'est vraiment chaud, les gars. Là, je l'ai tué quand même assez propre. À chaque fois, le cheval, il me fait le coup. Je parle pas trop fort, il y a le bébé qui dort, c'est sa sieste. Donc en vrai, s'il pouvait dormir 2 ou 3 heures, ça m'arrangerait. C'est le seul moment que j'ai pour pouvoir jouer, en fait. Donc là, s'il venait à se réveiller, ça marquerait la fin de ma partie, quoi. Bon, j'ai d'autres moments pour jouer, hein, c'est la nuit. Notamment le samedi soir et le dimanche soir, parce que je suis en repos le lundi, je raconte ma life. C'est l'histoire des beublés hein, sur la route. Vu que je passe pas le lundi et généralement pas le dimanche, le samedi soir et le dimanche soir sont des moments propices pour jouer. Parce que les gamins sont couchés, enfin le gamin est couché, mais j'imagine que quand vous verrez cette vidéo, il y aura le deuxième qui sera arrivé. Donc les gamins sont couchés et à ce moment-là, tu peux te faire plaisir. Le problème, c'est que il faut pas jouer trop tard non plus parce que le lendemain les gamins ils te réveillent. Les gamins ils te réveillent à 6 ou 7 heures hein, sans pitié. Hein. Donc t'as pas intérêt à te coucher à 2 heures, quoi. Sinon tu me sens passer. Et puis ça dépend aussi du temps qu'ils mettent à s'endormir, parce que des fois ils pleurent et puis ils dorment pas tout de suite quoi. Faut toujours attendre un petit peu. Donc ouais c'est pas évident. Hein. Il y a des fils de pute qui ont mis à me troller. Ennemis. Bizarre. Des ennemis. C'est même pas des chasseurs de primes, c'est très étrange, je sais pas ce que c'est. Alors oui, j'ai oublié de prendre la canne à pêche. Pourquoi je peux pas l'utiliser ici? C'est quoi cette connerie? Ok. Ok, je ne peux pas l'utiliser ici. Comment cela se fait-il? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudrait que j'aille... Voilà, on peut pas être plus au bord de l'eau en fait, je comprends pas. Ah, c'est tout. Donc là on est sur une rivière. J'ai pas l'impression qu'il faille à tout prix pour les légendaires envoyer la ligne là où il y a des runes. Ça c'est pour les poissons ordinaires. Mais généralement je l'envoie toujours un peu au pif. Quand il pleut, apparemment, ça a moins de chances de mordre. Donc on verra. Je dis ça et à ce moment-là. Je bloque la ligne. Hop. J'abuse pas, je rebloque. J'abuse pas. Et lui, il se déballe longtemps. Et là, on pompe. Tout en remontant la ligne, tout en rembobinant la ligne, on tire la canne. Je bloque. Je rebloque. Hop. Il faut vraiment y aller mollo. Essayez pas de rembobiner avec le pouce parce que franchement vous allez vous fatiguer, vous niquer le pouce. C'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Le mieux c'est vraiment la paume de la main. Ou alors utilisez le majeur, l'index et le pouce, ça peut être pas mal, c'est ce que je fais aussi très souvent. Utilisez le majeur, l'index et le pouce pour rembobiner, ça vous permet de faire des beaux cercles. Il m'a l'air de résister un peu plus que le précédent. Ça se rapproche tranquillement, on bloque. Je crois qu'il faut pas bloquer de plus de 3 secondes les petits gars en fait, parce que si vous bloquez de plus de 3 secondes, vous avez de grandes chances de casser la ligne.
Bah regardez en fait, c'est tout con, hein. Vous regardez juste les mouvements que fait Arthur au niveau du moulinet. Regardez, vous voyez là je suis en train de rembobiner. Alors lui il le fait beaucoup plus lentement que moi, je le fais sur le joystick. Et regardez au moment où, là, regardez, il bloque, vous voyez, il bloque le moulinet, il empêche de repartir dans l'autre sens. En fait, c'est surtout en voyant cette animation-là que je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Tu vois, là, regarde, par exemple, le moulinet, il repart dans l'autre sens, mais là, je bloque. Hop, tu vois. Et en fait, quand tu regardes bien, quand le poisson tire, tu ne maintiens pas la ligne, bah forcément, la ligne, elle se déplie beaucoup plus rapidement que toi, tu mets de temps pour l'enrouler, quoi. Regardez, là, je bombarde, et regardez le temps qu'il met à la rembobiner. Et là, vous allez voir, quand le poisson va tirer, la vitesse où ça repart, t'as vu ? Donc là, c'est pour ça, faut bloquer. Allez, on pompe, dernier effort, on devrait être pas trop mal. Ah là, ça sert pas trop à grand-chose de bloquer. Là, il est vraiment fatigué. Au début, j'avais pas compris, tu sais, le système de tirer la canne à pêche. Et voilà, un nouveau poisson. Il est immense, hein, c'est un baleineau, le truc. Mais la taille de ce truc, les gars. 13,38 kg. Oh la vache, la taille du poisson. Alors, je sais pas si le poisson peut pourrir sur le cheval comme les carcasses des animaux. Du coup, ça me fait peur à chaque fois, parce que je dois bombarder pour aller le revendre, en fait. Là, par exemple, je vais aller très très vite pour le revendre. Je pense que je vais aller à Hansberg. C'est loin. Pas de bureau de poste ici. Vous voyez là, je vais bombarder, je vais me dépêcher d'aller à Hansberg pour revendre le poisson qui pourrisse sur la selle, parce que j'ai peur qu'après on puisse pas l'envoyer en fait. Alors par contre, les récompenses qu'offre le pêcheur légendaire là, qui vous a donné la mission, à qui vous envoyez les poissons, il vous donne 3 récompenses en tout et pour tout. Non, 4. Il y a 3 paliers. Et tous ces 3 paliers, bah, vous donner une ou deux récompenses. Alors la première, c'était... Ah, je m'en rappelle plus. La deuxième, c'est de l'argent. Deuxième récompense, donc deuxième palier, c'est de l'argent. De l'argent et de la chair de poisson tendre. Ce qui est franchement pas terrible. Surtout que de l'argent, ça va pas chercher loin, c'est 40$. Tu vois, ça va pas chercher bien loin. La troisième récompense, il vous offre un leurre spécial cuillère. Le leurre s'appelle comme ça, leurre spécial cuillère. Je sais absolument pas en quoi ça consiste. Est-ce que c'est genre un truc traqué qui empêche la ligne de casser, un leurre qui permet de pêcher tous les poissons du jeu? Je sais pas, je sais absolument pas quoi ça. En quoi ça consiste. Ça, c'est la récompense ultime quand vous lui avez envoyé les 13 poissons légendaires. Au tout début, il vous envoie... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Au premier palier, la récompense, c'est un leurre de lac. Voilà. Donc, c'est pas des récompenses terribles, en fait. Un leurre de lac, ça t'empêche de gaspiller tes appâts traditionnels, ton maïs, ton pain, ton fromage, ce genre de truc. Ça t'évite de, voilà, de pas gaspiller entre guillemets ces appâts traditionnels. Mais un leurre de lac, tu peux l'acheter, je crois, dans un commerce. Donc du coup, il n'y a pas grand intérêt finalement. Donc voilà, les récompenses, c'est jamais bien folichon, je trouve, dans ce Red Dead 2, hein, en fonction. Non, mais surtout quand tu vois la complexité des actions qui te sont demandées. Hein. C'est comme Mademoiselle Hobbs qui vous demande de lui tuer proprement des moineaux, des éperviers, des merdes, là. Voilà, c'est très mal fait, faut sortir du menu. Et voilà. Hello, mister. Oh, la gueule qui tire. Tu dis pas bonjour, toi, fils de pute. Oh,
Donc voilà, voilà. Alors du coup, est-ce que la mission est réapparue? Non, toujours pas, ça doit vraiment être une mission de nuit. Et je crois qu'il y a une barbe jaune à pêcher. Mais le problème, c'est qu'elle est ici. Ici, il y a la barbe jaune légendaire à pêcher, mais... Le problème, c'est que je peux pas y aller, quoi. Donc, ouais, ça va être chou. Ça va être compliqué. Peut-être qu'en venant ici... Je vais aller en repérage. Peut-être qu'en venant sur les petites îles, là, il y a peut-être moyen que ça me la débloque. Mais voilà, après, sinon... donc, il y en a une à New Austin. Il y a la perche noire légendaire à New Austin, à pêcher dans le lac Don Julio. Il doit y en avoir une ici, je pense... C'était où les Three Sisters? Je m'en rappelle plus. Oh, c'était ça, hein, c'était ici les Three Sisters. Oui, c'est là. Ce lac-là, on l'a déjà pêché, le poisson légendaire, il était scripté. Qu'est-ce qu'il y a là? Un ours. Donc non, c'est très plaisant, hein, la pêche finalement. Beaucoup, en fait c'est plaisant parce que c'est beaucoup plus simple que ce que je le pensais sur les poissons légendaires, parce qu'honnêtement, ne maîtrisant pas du tout la technique comme maintenant je la maîtrise, honnêtement je me cassais les mains, je mettais mes 15 minutes à ramener un poisson, parce que forcément bah déjà je pompais pas, donc je ramenais pas le poisson vers moi, alors que c'est en très gros surtout ça qui aide à le ramener vers vous, hein, c'est vraiment le fait de tirer la... C'est vraiment le fait de tirer la canne vers vous qui fait progresser le... Je peux pas rentrer ici. J'aurais pensé. Mais non. Ok. Et puis forcément, je bloquais jamais la ligne aussi. Donc en fait, à chaque fois que je rembobinais, quand le poisson il se déboîtait derrière, il tirait trois fois ce que j'avais rembobiné. Donc en fait, je mettais un temps fou. Fallait vraiment que j'attende que le poisson s'épuise. Parce qu'après, vous avez remarqué que plus la pêche dure, et plus le poisson forcément il se fatigue, et moins il tire longtemps. Donc c'est seulement à partir de là que je pouvais le ramener... T'es surtout bourré, quoi. Hey, where's the train station? Going around in circles here. Head on that way. You'll find it. Il y a une station là. You are a gentleman, sir. Ok. Et là, regardez, pour faire le défi de tirer sur trois hommes armés, de désarmer trois hommes sans changer d'arme ou recharger, vous faites sur ces trois mecs, vous en braquez un, les trois vont sortir leur flingue, et là, c'est gagné. Et puis pareil, dans le même délire, vous pouvez faire le défi des chapeaux. Enlevez trois chapeaux, vous tirez bien dans les bords du chapeau, et ça devrait passer easy. Donc en fait, quand tu sais ça, c'est très très simple. Il y a beaucoup de défis en fait qui paraissent très difficiles sur le papier. Mais en fait, dans la réelle, quand tu connais un peu les strats et tout, ben, quand tu triches un peu, sans vraiment tricher, sans littéralement tricher, mais tu peux très facilement y réaliser ces défis. Quoi. Donc là, le but du jeu, c'est de récupérer la barbe jaune qui devrait être au large de Sissika Penitentiary. Que je l'ai visité cette maison. Non, ça je l'ai pas visité. Allez, oh putain. Comment on fait pour voir les stats?
Je crois qu'il y a des ennemis ici, bizarrement. Mais il est pas mort. Ils m'ont attaqué les mecs. Vous allez dire ouais mais t'étais chez eux. Bah je pense qu'on sait. Qu'est-ce qu'ils défendent pour être si. Il y a forcément un truc qui cloche ici. Faudra que je revienne. Parce que je m'enfuirai pas. Je m'enfuirai, je vais revenir parce que sinon je vais me faire troller. Je vais juste mettre un truc sur la map. Faudra que je revienne ici les petits gars, fouiller cette baraque. C'est très étrange. Normalement les gens quand t'arrives chez eux, ils t'attaquent pas à vue, ils te disent gentiment de partir. La deuxième fois, ils te grondent un peu plus. Et puis vraiment, si ouais, que t'insistes, ils sortent une arme et puis ils te braquent quoi. Mais eux vraiment, ils m'ont même pas laissé le temps de m'excuser ou de me présenter. Ils cachent les mecs, ils m'ont attaqué. C'est comme si c'était... Putain j'ai bien fait de partir. Ouais. C'est un peu comme si c'était carrément un repère de bandits, tu sais. Donc je vais aller voir ce qui s'y trame parce que ça m'intrigue en vrai. Et du coup, Sissika Penitentiary, c'est là-bas. Hein. Allez, c'est bon, je peux y retourner, je pense. Il y a forcément au moins une carte à récupérer. Une carte rare. C'était cette maison. Je crois bien. Je regarde parce que des fois les mecs qui restent, les PNJ restent un peu dans la zone. Et il y a une porte ici. Et cette boîte, elle va me faire chier jusqu'au bout, je te jure. Très très étrange ce lieu. Qu'est-ce que... En fait, c'était obligatoirement des malfrats, parce que qu'est-ce qu'ils foutent dans une maison comme ça? C'est pas entretenu, donc c'est clairement pas une habitation décente, quoi. Donc non, j'ai pas tué des gens qui étaient tranquillement chez eux. J'ai dû tomber sur un repère de truands qui avaient des choses à se reprocher. C'est des mecs en cavale. C'est des truands en cavale comme le film là, c'était quoi, Pat Garrett? Non. C'était quoi le film avec Robert Redford là? De hors la loi qui... Le Sundance Kid et... Ah, je sais plus. Puis ils ont dû me prendre pour un représentant de la loi. En tout cas, j'ai rien trouvé de spécial. Ah, des cigarettes, donc ça veut dire une carte rare. Et voilà, une carte rare, les petits gars. Leila Stelson. J'ai donc bien fait de venir ici. Même si je n'ai absolument pas dans l'optique de récupérer toutes ces cartes. Honnêtement, je vous le dis, ça fait vraiment pas partie des défis que je me suis imposé pour ce let's play. Ça sera au petit bonheur la chance en fonction de celle que je trouve. Mais j'ai absolument pas dans l'optique de toutes les réunir. Ah non, non, c'est mort. Bah, en fait, ça peut être sympa à faire, mais il faut le faire proprement dès le début du jeu. À chaque fois que tu vas dans une maison, tu le notes... tu te prends un calepin puis tu notes toutes les maisons que t'as fait pour être sûr de... Voilà, mais là honnêtement moi je saurais plus les maisons que j'ai visitées depuis le départ du let's play. Donc voilà, ça va être la merde pour
pour savoir quelle carte j'ai, quelle carte j'ai pas, c'est trop tard. Je me suis pris trop tard en fait. Donc je le ferai pas, de toute façon ça m'intéresse pas. Après je serais curieux de savoir la récompense qu'il y a. Il faudrait que je regarde dans le guide. La récompense qu'il y a concernant les cartes, là, tiens, je vais faire tout de suite. Alors c'est de la merde en fait, parce que je vais vous dire les récompenses qu'il y a à récupérer pour les cartes. On va faire ça en jouant. Hop, je reprends le jeu, tac tac, voilà. Et je vais aller essayer de choper la barbotte là, faut que j'aille ici. Alors. Si vous complétez la première série, vous récupérez des menottes de la guerre de sécession. Alors à quoi ça sert, j'en ai absolument aucune idée. Si vous complétez la série As de la gâchette, vous récupérez un médicament miracle spécial et 50$. Donc de la merde. Pour la série Artiste, écrivain, poète, vous récupérez de l'élixir de ginseng et 100$. De la merde. Pour la collection paysage américain, vous récupérez une pépite d'or. Ah là, c'est un peu plus intéressant. Et 100$. Pour la collection gemmes sublimes, un collier à chaîne en platine et 100$. Pour la collection fleurs américaines, fortifiant miracle. Ah bah attendez, je peux faire ça, je crois. Là, c'était comment déjà? C'était ça. Comme ça, au moins, je me taperai pas tous les décors. Pour la série fleurs américaines, fortifiant miracle, 50$. Pour la série étoile de la Seine, petit sac de bijoux et 50$. Faune américaine, peau de lapin, parfait état, nul, et 50$. Merveille des transports, il faut du rhum de pirate vie. Il te donne du rhum de pirate vie et 50$. Collection champion du monde, tu as la racine de valériane et 50$. Invention incroyable, tu as la dynamite instable et 100$. La collection chevaux te donne remède spécial pour cheval et 50$. Et la collection américain célèbre te donne plume d'aigle par 3. Donc 3 plumes d'aigle et 50$. Et si tu complètes toutes les séries, tu as 200$ de bonus. Ce qui fait un total pour toutes les cartes ramassées du jeu. 250, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800. 1000$ en cash, donc vous gagnez. Pour récupérer toutes les cartes du jeu, vous gagnez 1000$ en cash. Plus tous les petits à côté, quoi. La pépite d'or, le petit sac de bijoux. Et c'est tout. Parce qu'après, c'est que des trucs qui se revendent pas, ou des remèdes, ou des élixirs. Donc voilà, c'est pas des. Il y a un problème dans ce jeu, c'est que les défis sont quand même très ardus. Pas forcément en termes de difficulté, mais en termes d'investissement et de temps que ça représente. Et je trouve que les récompenses, elles sont pas à la hauteur. Hein. C'est comme la nana, la mademoiselle Hobbs, putain, sans déconner. Alors déjà, c'est pareil pour les trucs de dinosaures. Les récompenses sont flinguées, quoi, alors que les ossements de dinosaures, c'est super chaud à trouver sans le guide. Je sais même pas si c'est possible sans le guide de les trouver. Alors le pire, je crois que c'est quand tu... La nana qui te demande de tuer les cardinaux, les petits moineaux, les toutes petites bestioles là proprement avec des flèches de petits gibiers, c'est une galère ce truc. C'est honnêtement le truc le plus dur qu'il y a à faire dans le jeu. Voilà. Je vous le dis, pour moi, le truc le plus dur qu'il y a à faire dans le jeu, c'est vraiment cette mission là. Ça les gars, c'est la galère. L'air. Non mais un bruant, chef. Un bruant. Crapaud, ça va, ça se gère, tu vois, dans les marécages, t'attends un peu, mais un bruant, c'est un tout petit oiseau, ils se ressemblent tous, il y en a combien d'espèces d'oiseaux dans le jeu? Le piranga, pareil. Non, ça, c'était vraiment la merde. Avec des flèches à petits gibiers, tu vois le truc qu'il faut crafter parce que t'en as jamais sur toi, donc faut les crafter ou alors les acheter. Je sais même pas si ça s'achète. Hein. Je crois qu'elle s'achète pas, les gars. Oh putain, je l'ai pas vu. Je crois qu'elle ne s'achète même pas les flèches à petits gibiers.
T'es obligé de les crafter, c'est une galère, donc faut tuer des oiseaux et tout pour crafter tes flèches. Oh, c'est la merde, prof. Je serai plus tranquille. Et je vais essayer de récupérer la barque là-bas. J'espère que je vais pouvoir la prendre. J'espère que c'est pas une barque qui est... Non, elle m'a l'air parfaitement viable. On va prendre ça. Et on va se rapprocher du pénitencier de Sissika, les petits gars. Attends, je vais juste la ranger. Allez. Parce qu'il y a la barbe jaune à récupérer, hein, quelque part par là. Hein. Donc on va y aller tranquillement. Il est où le pénitencier de Sissika? C'est cette île-là? Ouais, c'est ça. Donc là, au milieu de l'eau. Normalement, j'ai la barbe jaune légendaire à récupérer. Ce jeu détente, c'est un truc de ouf quand même. Putain, c'est moi, il y a du courant. Non. Et tu sauras que si tu te fais tirer dessus, la barque, elle peut couler à force de prendre des balles. Ça, c'est pareil, ça, c'est un truc de malade, quoi. J'ai pas l'impression que j'avance, mais en fait, si, si. Je me rapproche trop du pénitencier parce que ça va faire 5 étoiles comme dans GTA. Bon, ça va, il n'y a pas les hélicos, mais ça peut vite être la merde. Normalement, elle devrait être par là. Hein. Ça ne m'affiche rien du tout. Je vais quand même regarder sur le guide. Oui, donc il y a bien la barbe jaune légendaire ici. Mais là où ça me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de l'île. Et non pas dans le... En fait, à l'intérieur de l'île, il y a des petits cours d'eau. À l'intérieur de l'île, il y a des petits cours d'eau et j'ai l'impression que c'est là-dedans que se trouve la... Attendez, je vais sauvegarder parce qu'honnêtement, je sens pas cette histoire. Là, c'est complètement anti-RP, on est d'accord. Le but du jeu de cet épisode et de l'épisode précédent, c'était pas de rester dans le RP. C'était de casser un peu le RP pour avancer dans les défis. Parce que sinon, j'avancerai jamais. Mais là, c'est complètement anti-RP, le fait qu'Arthur revienne au pénitencier de Sissika après ce qui s'y est passé dans l'histoire. Surtout juste pour pêcher, quoi, tu vois. À quel moment? Ah, donc c'est vraiment dans l'île, en fait, que se trouve la barbotte. C'est vrai que l'île de Sissika, c'est pas un endroit... Que je connais en fait. Parce que à part y venir pour la mission du scénario, tu n'y retournes pas après. Ah. On y est. Tu vois, c'est à l'intérieur. Chaud. Sur une des foins qui me casse les couilles. J'espère qu'il n'y a pas des gardes. Je pense pas. Et du coup, ici, c'est quoi concrètement?
C'est une rivière, ok, très bien. Le mec qui pêche sur Sissika, tu sais, normal. Par contre, j'ai pas mon cheval, donc ça va être la merde pour ramener le poisson. J'espère que c'est un poisson qui se met dans la sacoche. Par exemple, le crapet harlequin légendaire, il est pas très gros, donc du coup, il se range dans la sacoche. Donc t'as pas la problématique de est-ce qu'il va pourrir sur le cheval, quoi. Parce que tout ce qui est rangé dans la sacoche ne pourrit pas. Pas au bon endroit. Peut-être plus par là. Le petit harmonica, il fait plaisir. Hein. Ça me rappelle la musique de Gunn. Ça utilisait beaucoup les harmonicas. Oh, Gunn, quel jeu. Quel jeu incroyable. Des heures et des heures. Bon, écoutez, ça a pas l'air de mordre ici. Je vais quand même venir avec la barque, en fait. Concrètement, ça me dit quoi là? Ça me dit que le poisson il est. Ah, il est peut-être de l'autre côté en fait. Ouais, je vais y aller avec la barque. Quoique. La barque, faudrait pas qu'elle despawn. En fait, j'ai peur que la barque elle despawn. Je pense pas, il n'y a pas de raison. Ça m'a l'air plutôt d'être de l'autre côté en fait. Tu vois, genre ici. Il y a le mirador qui est juste là. Je pense que c'est plutôt ici en fait. Je l'ai. Le mec qui pêche à côté de Fleurimérogis avec une carabine dans le dos et un flingue dans le holster, sachant qu'il a tenté il y a 2 mois en arrière. Enfin, c'est même pas qu'il a tenté, c'est qu'il est parvenu en plus à faire sortir un mec de Fleurimérogis. Je prends. C'est un calvaire. Les allergies de printemps, c'est un calvaire. Tu vois, là, j'ai respiré du pollen ce matin. J'en ai respiré hier parce que j'étais dehors. Du coup, je dois en avoir plein les narines. Et... Ah, c'est la merde. Franchement, c'est la merde.
Et à moitié endormi là, mon Arthur. Du coup, un poisson légendaire de plus, ça fait plaisir. Il y en a combien? Je vous ai dit 13. Hein. 13, merde. J'en ai 1, 2, 3, 4. Celui-là, je viens de le compter. 5. Ah, j'en ai la moitié, quoi. 6. Il doit y en avoir un là, je pense. Peut-être que celui qui est scripté est respawn et il faut le refaire de manière legit. Sans le scénario, je pense. Donc, un là. Il doit y en avoir dans cette rivière. Je crois qu'il y en a un dans cette rivière. Peut-être plus bas. Il me semble qu'il y en a. Tiens, il est là. Un New Austin. Il doit y en avoir un ou Angela. Je pense qu'il y en a un aussi là. Ouais, regardez. Voilà, vous les verrez pas tous en vidéo, mais je voulais en faire quelques-uns pour vous montrer que même lorsque je filme pas, je bosse sur le jeu, je bosse. Je pêche, je chasse. La chasse, ça dépend des animaux, mais généralement je filme. Tu vois, quand c'était la panthère légendaire, j'ai filmé, et puis j'ai filmé l'alligator légendaire aussi, sans pour autant commenter. Mais je trouvais ça intéressant d'y filmer. Merde, non, non, tire pas. Tire pas, Arthur, c'est pas ça que je voulais faire. Tellement kiffant de faire de la barque, franchement, putain. Oh, je kiffe. Hein. Ils ont vraiment pensé à tout dans ce Red Dead. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des poissons à pêcher ici. Parce que je voulais pêcher des poissons, parce que je vous rappelle que j'en ai... Non, c'est pas ça que je veux faire, putain, à chaque fois je me gourre. Peut-être là. J'en vois, je crois. Non, non, même pas. Je pense que s'il n'y a pas de room à la surface, ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson, tu vois. Moi, je me trompe peut-être. J'essaierai bien quand même. Mais du coup, poisson moyen des marais, de lac. Là, on est en rivière. Là. Logiquement, on est en rivière ici. Ouais. Il me reste 5
Ah sûr, en fait, il n'y a pas de remous, mais ça veut quand même... T'as quand même des poissons. Même sans les remous, t'as quand même des poissons. Ah, j'en ai déjà plein de ça. Dommage. Tant pis. Je sens que ça va être la galère pour pêcher les derniers spécimens. Il m'en reste 5, mais quand il va m'en rester 2 ou 1 ou 2, c'est là que je sens que ça va être la merde à pêcher. Ah, les bateaux à aubes, c'est tellement représentatif de cette époque de rêve. Ça, c'est tellement représentatif de tout ce que j'aime dans le Far West, quoi. Il y en a à Disneyland. Et Dieu sait que je l'aime, cette attraction. Telle ambiance. Ils en ont mis à Nigloland. Au Nigloland, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit parc d'attractions qu'on a dans l'aube. Je crois que c'est dans l'aube. Donc c'est à 1h30, 2h de chez moi. Donc c'est pas très très loin. Et de ce fait, eh bien, on y allait souvent quand j'étais gamin. Mes parents m'y emmenaient. J'y suis retourné avec ma femme il n'y a pas longtemps. Et ouais, ils ont mis aussi un bateau à aube comme ceci. Et d'ailleurs, le jeu Gun te fait commencer dans un bateau à aube. La première mission, c'est dans un bateau comme ça. Ça, c'est représentatif tellement du Far West. J'aime tellement. C'est. Oh là là. C'est mon rêve, ça. Allez, on essaie un dernier. Je vais changer d'appât pour voir. Brochet, non merci, non merci. Non merci. Moyen des rivières. Peut-être celui-là. Ah non, mais les criquets, c'est ce que j'avais déjà pris. Après, est-ce que il faut vraiment... Dans les rivières assez larges. Est-ce que il faut vraiment peut-être que je peux pêcher avec un asticot dans un lac, hein. Je n'ai jamais essayé, on va voir. On fait l'expérience. Ça sera peut-être plus long. Mais après, pourquoi les poissons ici ne viendraient pas, ne seraient pas appâtés par des asticots, tu vois. On fait l'expérience. Ouais, bah le rhume des foins, c'est vraiment une saloperie chronique en plus. Tu sais que ça revient tout le temps. Puis au mois en automne aussi, j'en ai des allergies qui sont dues aux acariens. Donc automne, c'est les acariens. Parce que c'est là où ils prolifèrent le plus. Et
Et donc printemps et... Printemps, c'est le rhume des foins, quoi. C'est des allergies au pollen, putain, j'en chie, j'en chie. Criquet, c'est déjà utilisé. On va essayer avec la perche. Ouais, mais le pain, apparemment, tu peux choper que du brochet. Ou de la perche. La perche, j'en ai déjà en plus, de la perche. Brochet maillé. J'ai. On va essayer le maïs. Ah, mais là, il va encore me choper un brochet maillé en fait. Ça fait chier, je sais pas quoi prendre. Allez, on va essayer au fromage. Dernier mot. Par contre, tu me fonces pas dessus, toi. Ça va. Le jeu est intelligent. Un peu plus, il me fonçait dessus, ce corps. Petite ambiance portuaire là, c'est cool, hein. J'aime beaucoup. Ah, ça y est. Allez. J'ai failli le one shot. Ah, c'est un petit crapet. Bon, ben, rien de bien. Folichon, j'en ai déjà plein. Dommage. Et ben voilà les petits gars, on se termine, on se quitte, on se termine, c'est glauque. On se quitte là-dessus, on se dit à une prochaine, je reprendrai l'émission, vous inquiétez pas. Je voulais juste faire voilà, une petite aparté pêche, parce que j'en faisais pas souvent dans le jeu, j'en faisais mais toujours de manière scriptée, avec les copains du camp. Et du coup je voulais vraiment vous montrer que j'avançais aussi dans les défis, parce que je jouais beaucoup en off. Voilà, allez, ciao les zingues, à la prochaine.